Mizero. Aha. Mizero. Mizero. Apete. Mizero. Omiwae. Apete. Omiwae. Nogi. Omitongo. Chi. Apete. Mizena. Aha. Muro ni no yo. Ce bâtiment, c'est le siège de la campagne pour les élections présidentielles de 2016. Regardez bien avant l'ouverture, parce que vous n'aurez pas l'occasion de regarder cela deux fois, parce que ça va être le siège de la victoire. Bien sûr, je veux remercier tous ceux qui ont organisé la mise en place de ce siège. Toute l'équipe de communication et toutes les petites mains qui ont participé à ça. Je veux remercier surtout nos amis de Zongo qui nous accueillent dans ce siège. C'est le siège de campagne ABT, c'est Zongo, donc je n'ai aucun doute qu'ici, là, ça va être 100%. Je veux vraiment remercier et féliciter tous les militants et sympathisants de l'Alliance pour le chemin parcouru jusqu'ici. C'est l'élection présidentielle dont je vais en parler juste en quelques mots. Et vous dire que le défi qui nous est proposé, c'est vraiment de corriger tout ce qui ne va pas. Mais avant tout, de redresser notre économie. Nous sommes à Zongo, un quartier bien commercial. Il n'y a pas meilleur endroit pour dire ce qu'il y a à faire que à Zongo. Il y a des opérateurs économiques ici, il y a des transporteurs, il y a des agents des différents services. Tous peuvent témoigner de l'amorosité économique. Tous peuvent dire combien ça ne va pas. Tous peuvent dire combien l'État leur doit et qu'ils n'arrivent pas à payer. Eh bien, c'est tout ce chantier que nous avons. Et c'est bien le cas de le dire, le mandat pour le prochain quinquennat, c'est que l'espoir est là, à commencer par les premiers de l'ICC. Je redis ici de la manière la plus solennelle que la première mesure que nous allons prendre en 2016, en avril 2016, c'est de demander le remboursement des spoliés de l'ICC. À qui l'État doit à ce jour, plus de 150 milliards de francs CFA. Ce n'est pas de la dette, ce sont des arrêts de paiement. C'est ce qui ne devrait jamais arriver. Donc nous avons un État quasiment en faillite. Et c'est ça que nous avons à redresser. Donc à tous, je vous dis du courage. La porte qui est là, que nous allons ouvrir tout à l'heure, c'est la porte de l'espoir. Donc nous allons l'ouvrir pour tous ceux qui sont là, mais nous allons l'ouvrir aussi
pour tous les Béninois et toutes les Béninoises qui sont les 5% et qui regardent le 6 avril 2016 comme la date d'un nouveau départ. Merci à tous et que Dieu vous garde. Prud'homme.